Allez, c'est parti. Donc une autre ruche visite après donc après visite de printemps où on va voir si les cadres qui ont été mis ont été bâtis et si on peut poser les hausses. Je pense qu'on va poser les hausses. Ça m'a l'air tout ça m'a bien bien rentré. Essayez de soulever un cadre pour voir. Hop. Attention. Voilà. Ça c'est un cadre que j'ai mis voilà la semaine dernière qui est déjà à moitié plein de miel. Donc ce cadre là je vais essayer de le garder et je vais essayer. Attention. Je vais essayer d'aller le mettre au milieu si je peux pour qu'il soit plutôt rempli. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Donc ça c'est un cadre qui n'est pas très vieux non plus, je pense qu'il doit être de l'an dernier quand même. Le problème c'est que j'ai pas mon marqueur, non il doit être de cette année aussi. Donc ça ce cadre ça va être pareil, on va essayer d'aller mettre tout ça au milieu. Ok. Tonnerre il n'y a pas de... C'est des essaims faits l'an dernier donc... Il n'y a pas de très vieux cadre sur ces colonies. Tac, tac. Hop, je vais faire la place ici. Et on va les mettre ici. Là. Hop. Attention. Hop, voilà. C'est parfait. Ils seront parfaits ici. Là, il reste de la place. Hop. Et on va mettre l'autre. On va essayer de faire un peu de place. Sors-toi. Ça passe pas mal. Voilà. Hop. Le but du jeu c'est de ne pas tuer la reine. Hop là et voilà. Et encore on met les cadres. Voilà, parfait. Bon mais tout ça, eh bien, comme d'hab, hein, grille à reine. Grille à reine et puis os, hein, tout est plein. Alors, d'habitude je ne mets pas de grille à reine. Cette année j'ai décidé d'essayer d'en mettre. On verra bien ce que ça dit. D'habitude j'en mettais pas, je suis pas un grand fan des grilles à reine. Ça me plaît pas trop comme concept, mais c'est quand même mieux. Après pour le stockage des cadres et tout ça, c'est quand même mieux. Allez. Voilà.